Lille a interdit la vente d'alcool à emporter jusqu'à vendredi matin. Plusieurs dizaines de bars seront également obligés d'avancer à minuit leur fermeture et les forces de police sont renforcées. Des mesures similaires sont mises en place à Paris et dans les Bouches-du-Rhône autour des stades. Elles visent à éviter une répétition des violences qui ont eu lieu à Marseille, mais elles déplaisent aux supporters. C'est un peu stupide de la part de la police française d'interdire l'alcool des supporters. Tout le monde ne s'est-il pas bien conduit, demande l'autre. On se conduit bien, on passe du bon temps, l'atmosphère est bonne. Des échauffourées ont cependant éclaté, sans faire de victimes, entre supporters anglais et russes à Lille. Ces violences interviennent à la veille du match mercredi entre la Russie et la Slovaquie et d'un autre jeudi à Lens entre l'Angleterre et le Pays de Galles. Certains supporters russes ont déclaré sur place leur intention d'affronter des fans anglais si l'occasion se présentait.